Kalos et Bayonetta qui va faire Bayo Kalos. Ben voilà, pourquoi c'est il a laissé Kalos. Il a laissé Kalos et Dieu seul sait. Ah non, qu'est-ce que ah je non, raconte voilà, PS2. PS2. Désolé, Kalos c'est sa pire match. Mais oui, j'ai dit qu'est-ce qu'il va. J'ai entendu, je crois que Kalos. Une voiture super belle. À 64% sur. En 10 secondes, 64%, ça part directement. Et Yasmat vient de bien lui rendre des coups. Je trouve pas cette courbe aussi forte. Oh Paris non, tout fort mais à non, smash. Mais non. Alors là, Nibodak, c'est sûr qu'il est... Hein, Nibodak qui... Alors là, Nibodak, c'est sûr qu'il a trop hein. La dalle. Père. De nouveau, encore. Est-ce que c'est la baïonnetterie? Oui. Oh là 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 là, mais là ça y est, là, Nimodax il ne confirme qu'il fallait et les ouais, il ne tue pas, il veut pas que tu sois du boulette lui. Il a pas faim lui, il veut pas. Oh et il se fait prendre ce side B, se faire un autre side B, il un père, un mal, autre hein. On voit. Mais finalement le Megawatt qui ne tue toujours pas. En même temps dur pour Min Min de catch cette Bayo qui a plein d'options à mix-up offstage. Ok, il trouve sa taunt, il trouve la première stock du côté de Nimodax. Fou, joli. Maintenant, le backer, on tente d'éviter justement avec le gun qui est installé, on pourra faire quelques petits dégâts. Il a drop le ledge, revient en normal gallop, 1-0 pour Nimodax, autoritaire, 2-1-0 pour lui. C'est tout ce qui est autoritaire, hein. Là elle l'a mis en prison, elle a dit tu viens avec moi, tu me donnes ta manette et tu te tais. Ah ouais c'est clair. Le problème de se manger ce combo qui t'emmène jusqu'au ciel là, juste voir Dieu, c'est que en fait ça te met à terre, hein. À l'inverse hein. Contrôleur, just restart, restart the switch. Pourquoi on a plus and de... And then, go to the menu switch and change. Pourquoi okay. On a plus d'écran nous. Alors ça restart. Ça restart. Donc on restart la switch. Ils en ont eu dans leur game? Non. Hein? Ils en ont pas eu dans leur game, non, c'est pas possible. De quoi? Bah des inputs de pro contrôleur. Si, ça, même dans les autres games, à chaque fois ça venait en fait. Ah ouais? À chaque fois tu voyais une troisième qui venait en fait. Voilà. Oh le petit son de Castlevania Kiss. C'est qui prend ça? Ah d'ailleurs, j'y ai pensé en voyant sortir Metroid Dread, que je vais d'office faire. À quand un nouveau Castlevania à l'ancienne? Franchement, ça me manque trop. Hein. Bah, c'est un peu la licence que j'ai un peu délaissée. Moi, je pense que je vais m'y mettre. Tu l'as pas encore fait? Les Castlevania, j'ai joué. Ouais. Mais j'ai pas. T'as pas ridé quoi. T'as pas dit je vais aller tout défoncer. Ouais, et pourtant, je trouve que c'est une chouette licence. Ouais, hein, elle est mythologique, elle a inventé un genre. Oh, Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi cette boule là? Cette boule là, quand même. Quoi? Meta Knight? Le Meta Knight de Yasmat. Eh ben, tu sais quoi, hein? Ciao. À une prochaine, Insta. Ouais. Le Meta Knight de Yasmat. Le fameux Meta Knight. Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore voir Meta Knight en jeu. De voir bouger tout, je kiffe trop ça. Il avait la réponse, hein. Il avait la réponse. La réponse, c'est jab, up air, protection backer. Finalement, ça va dans l'autre sens. Ok. Allez, il est au père. Le B, encore assez de B. Le fer, ça et c'est pas, encore la kill. La prochaine fois, on connaît justement, on connaît les smash au lead justement de Nimodax qui prend une carrière assez importante. Ok, faire encore fort. Up air. C'est là que ça part. Finalement, on ne trouve pas encore. Si, c'est reparti. Le B. Non. Non, ici on a tenté à faire, mais ça va. C'était ça ou c'était la SD, hein, ça aurait pu être plus grave, justement, grâce à la GT. Ce B qui a été complètement oui.
Il nous a pas menti. Enfin si, il voulait le drop, mais... Tu sais, quand tu reprends un perso que t'as plus joué et tout, après un moment... C'est pas le bon jeu, monsieur. Oui, oh, le pi. Mais voilà, c'est ça qu'il cherchait. C'est le pi. Est-ce qu'il va répondre là-dessus? Oh, si, la réponse avec le backer. On revient dans une situation de 2 stocks chacun à 0%. Assez, ça, la game commence assez... Et alors c'est drôle, hein, parce qu'on vient avec deux personnes qui ont une combo game ultra verticale. Ouais. Ce qui fait que les games peuvent, enfin que les joueurs peuvent choisir une map qui les avantage tous les deux et donc avoir des games qui sont beaucoup plus létales. C'est comme un battle de breakdown, tu vois, c'est chacun son tour, tu vois. Tu vois, Bayo elle fait sa danse et puis voilà, un battle de danse, c'est autour de Yaz après ça, tu vois, c'est vraiment un battle, tu vois. Un battle de danse. Assez... La dash attack qui va rien trouver malheureusement. Le donk trop non plus. Ouf, il a essayé la grosse douillasse. Il peut pas passer. Et il peut se permettre hein, de lâcher des smash comme ça. Il peut se le permettre. Et le smash de Montanet il a cessé. Et le backer, on essaie de choper le backer sur le ledge. Pour l'instant le neutral ici il est un petit peu. Ça se cherche, ça trouve justement, ça se trouve. Bancal, on va garder le bancal. Il a essayé de tenter la rive sur la Roline. Minibodax, restez patient. Face de l'edge trap ou le zone R ne trouve pas de solution. Et le B qui prend la stock. Voilà, encore le B, c'est vraiment l'arme préférée de Yasmat sur ce match-up là, sur ce perso là. En même temps, le counter pick est très intelligent, hein, vu que Bayonetta va aller chercher, comme je te l'ai dit, un jeu vertical. Ouais. Il va pouvoir contrecarrer certaines de ses phases et retourner l'avantage pour enchaîner un combo. Voilà, regarde exactement ce que je viens de te dire. Oh non. Il relance. Oh non. Il relance le B. Oh non. Et il trouve la stock. C'était super. Oh là 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 là. Parfaitement exécuté. La patience, le nœud petit, Upper, dans la face. C'était ultra carré, c'était ultra clean. Par contre, il y en a un là, l'orteil mutant, il est en train de tirer un balleré sur toi, mon pote. Trop mignon ce double ladder. Tu peut-être il mettrait. Encore avec cette histoire de peau de chagrin. Wow, c'est pas grave, hein. Au final, tant qu'on se comprend. Et sa clip, on va dire qu'elle a lâché le clip. Et je sais pas si c'est banco, tu sais. Hein. Je pense que c'est bancal. Moi, je dirais que c'est bancal. Ils sont bancal. Ouais, moi, je dirais que c'est une bancal. Exception. Ah, ben c'est reparti. Bien vu le clip. Et ouais, t'as bien fait, hein. Là c'était vraiment... C'était ultra clean. Là, il y en a dans le chat, hein. Ils sont en train de manger du Gucci hein, devant du level. Ils étaient en train de manger du Gucci, les potes. Il y a que des dingueries dans le grand final. Le loser, le grand final. Il va reprendre un avantage conséquent. 54%. C'est quasiment chaque game il fait ça. Mais okay. Qui ne okay. Croise pas Yaz. Yaz hein, qui part un coup en reprendre un avantage. Ça me tue. Les pics de Yas, ils sont incroyables. Et j'ai l'impression qu'ils les jouent tous très bien. Hein. C'est bien ça qui est bien sûr. C'est fou, hein. Ce joueur a un niveau. Ok, ça part de là, surtout sur le Shistory. C'est dangereux sur le Shistory, en tout cas, de se faire ladder comme ça par Montanite. Il a fait une petite DI check hein, qui est passée du côté de Nibodak. La F-Pro peut-être, ou la F-Pro qui envoie déjà, le gun éventuellement. Pour repousser l'adversaire de le plus loin possible vers la base zone finalement. Yaz qui reprend le neutral petit à petit, qui reprend complètement son neutral, qui trouve justement peut-être une ouverture, le smash peut se permettre comme je le disais, le backer, tentative de backer, Nibodax finalement ça a été whiffé et finalement c'est Nibodax qui trouve Star of Stage qui reprend du terrain au final. On voit smash qui n'est pas finissable hein. Je le mets sur le shield et ça me trouve. Ça c'est terrible.
C'est la première fois qu'on voit ce deux side B. Exactement. Et finalement, ça a été punitif en tout cas de sortir du ledge. Mais voilà, là, il a la réponse. Il a la réponse. Le up B directement. Situation de deuxième chose. De deuxième côté. Situation à la Smash 4. C'est vrai qu'il crie Kroya. Attention. Non, pas encore, c'est pas là. Et s'en est pas inquiété ici. 86% du côté de Smash qui se trouve un petit peu dans une situation délicate. On peut pas sortir à partir du moment, à n'importe quel moment. Et c'est là que je voulais dire, est-ce que le fer va le tuer ici? Non, ça aurait pu tuer de l'autre sens. Finalement, il y a Smash qui s'en sort bien. Qui a eu chaud par rapport à cette interaction-là, par rapport à ce setup. Denis Mozak, c'est très bien placé. Une deuxième bonne pro. Le backer whip qui est bien puni. On essaie d'anticiper la roll sur la plateforme. La pression que met Yasmat. Ah là 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 là. On a plus tendu, hein. Il se laisse vraiment pas respirer. Nous par la même occasion. Ah non, on respire plus. Ok, la pro. Malheureusement, c'est pas la pro de Dracofeu. Ok, il arrive à pouvoir suivre les guns, le backer, voilà, le backer qui cache tout le jump. De toute façon, ça n'empêche pas Bayonetta de revenir sur le terrain. La dash attack qui met en désavantage niveau Dax, qui revient tranquillement avec son side B, il récupère le ledge, double side B, on confirme pas là-dessus, on rentabilise pas justement ce double side B, malgré qu'il est à 184%, et finalement c'est Yasmat qui a pris la stock avant lui, la deuxième stock de Nidodak a été mise à la poubelle pour arriver à la dernière stock, à la situation de la stock et potentiellement prendre le deuxième match, le 2-1 pour Yasmat. Il parvient pas à tuer un Meta Knight à 200%. Là c'est la, là, là, c'est la mort. Là dans trop pardon. Là c'est la mort. Ah, il était temps de mourir là. Il était temps de maigrir là parce qu'il était gros, il était trop gros. Encore un fer. On tente justement de confirmer que ça dit, on sait, on essaie de le choper finalement non. Ça tape un petit peu dans tous les sens là. Il n'y avait pas eu de situation de trap, là on a déjà très bien compris. Il arrive à quand même envoyer Bayonetta grâce au notre vie. Voilà, on prend un side B de nouveau, le nerf justement pour éviter de revenir tranquillement sur le neutral pour mettre le plus de dégâts possible. Et le down B qui a été imprévisible, il est déçu de ce principe. 2-1 pour Yasmat qui se rapproche de la grande finale. Et peut-être prendre sa revanche sur Super Striker à un match de la grande finale. Bon, plus qu'il arrive à reset, s'il parvient à gagner ce match-là. Benny Bodax, lui, veut sécuriser aussi sa place en grande finale. Il n'a pas le droit à l'erreur. S'il veut gagner un petit délai supplémentaire, c'est maintenant. Changer de couleur pour le Bodax, on a pris un petit peu la couleur goldée. Because it's time to shine. 84%, hein. C'est insane, mais regarde le résultat. Le résultat arrive juste après, tu vas voir. Elle enchaîne. Okay. Il laisse pas l'avantage à son adversaire. Et ah là 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 là, mais oui. Smash, c'était une très belle stop. La classique le trap. Et il réenchaîne et il va trouver le kill. Le classique de Nimodox actuel. Il ne veut pas se laisser le faire. Il trouve la Donkro, il follow sur le back air. Up air. Oh là là, le back air. Je pense que ça aurait pu être un up air. Ouh là là, ça va être punitif là, ça va être très punitif. Vous voyez là, ça va être la punition. Oh là là, il a réussi, il a rentabilisé son SDI par un B qui a renversé la tendance et qui a mis hors du terrain Nimodox. Malgré ça, 102%, ça va être peut-être compliqué pour Yasmat, mais c'est pas encore terminé. La remontada est tout à fait possible. Encore une fois, c'est mon avis et je le tiens très intéressant aussi, mais je trouve que Nibodax fait quand même pas mal de whiff time. Hein. D'ailleurs, Yasmat le tente. Justement. Il attend. Ouh là, par contre, c'était super beau. Oh là là, il lui a. Il vient de me faire taire en fait. Il vient de me dire quoi, t'as dit quoi, mon whiff time? Tiens, je le fais ton whiff time.
Limite là, il y avait la VAR, tu vois. Voir ce qu'il allait se passer. Ok, la dash attack. Il les gun qui ne servent à rien dans le match. Oui, il y a, voilà, il a plusieurs jumps en tout cas. Mais t'as pas tout à fait tort. Au début de ces matchs, on voyait justement que beaucoup de gestions ont été liffées. Et que derrière, t'as le bat wheeling justement qui permet d'éviter de prendre la sauce après le wheeling. Oh, quoi? Ouf. Quoi? Yasma commence à perdre son mental. Hein. Il doit travailler pour trouver une solution parce que. Beaucoup plus d'erreurs. Monsieur l'arbitre, il s'est passé des choses trop bizarres sur ce match. Hein. Moi, je demande d'avoir la VAR parce que c'est pas normal. Est-ce que ça sort? Non, ça sort pas. Il y a très bien. Mais ta net, c'est quand même une boulette assez lourde. Hein. C'est la Kefta la plus lourde que j'ai vu. Toujours pas, hein. il veut aller chercher une solution. Est-ce que c'est le give? Non, il parvient à revenir. On a quand même de revenir. Ni non, toujours malgré pas. Malgré le pourcentage, tu vois quand même le side B il se connecte dans le B de trop là. Oh, il trouve pas de. Et ça, c'est la F trop qui ramène Limonax. C'est comme je le disais, à une situation de game 5. C'est serré, hein. Ça devient très dur pour nos joueurs, j'ai l'impression, au niveau de leur endurance. Très très serré au niveau des deux joueurs. Je pense trop à la bouffe, bien sûr. Je pense à la bouffe. Moi j'aime bien la Kefta, les boulettes, tout ce que tu veux. Moi j'aime bien la viande. Y'a quoi le problème? C'est quoi le problème? Hein? C'est quoi le problème? D'ailleurs, si tu veux nous ramener un petit kebab, ça ferait plaisir. Ah ouais, vas-y, moi je t'ai dit où t'es. Ramène. C'est ouf, oui, tu prends sur la bouffe. Bah ouais. Manger, c'est bien. Sans manger, tu vis pas. Il est ouf, lui. Ça discute pas mal hein, du côté des deux joueurs. Ça rigole même du côté de Diaz qui prend plaisir de jouer Smash en tout cas. C'est un peu les films de Smash 4. À l'épaule de Smash 4, ces deux-là, ils étaient tout le temps en grande finale. Ah ouais. Et Yasmat prenait toujours le terrain et lui, il a fini deuxième à la fin de Smash 4 en Belgique. J'ai des côtes de porc marinées à la teriyaki et au marin et au mirin. Ça doit être trop bon. Attends, moi je connais pas. Et frérot, viens, on va manger chez Mamadour. Ah, te dis pas si tu mets une autre viande, si je ramène ma viande. Ah oui, merde, c'est du porc, désolé. Non, c'est pas grave. Moi je ramène ma viande en moi. Hein. Quand je ramène les merguez, tu me fais la même chose. Par contre, moi Mamadour, ça me va, hein, des petites côtes de porc marinées à la teriyaki. La place de Mamadou, c'est dans la cuisine. Tu m'entends? Va là-bas. Petit là. On change de couleur, on prend la Bayonetta du premier jeu, hein, Bayonetta 1. On reprend le rouge, on a confiance peut-être au rouge. Et c'est parti, c'est à ce moment-là que. À chaque fois, hein, il ouvre le bal. C'est un manque de patience de la part de Yaz. Hein. Tu sais, Bayonetta là, c'est le genre de meuf, t'es en boîte. Bah, c'est pas le type qui va le chercher, c'est elle qui va chercher. Non, elle vient, elle t'attrape par le col, tu vois. Elle par le col, elle dit viens danser là. Y a pas que la cuisine qui m'intéresse. En même temps, je sais pas si j'ai envie de croiser Bayo en boîte. Non, hein. Pas du tout. Et mais Yaz a perdu d'ores et déjà sur un. Ensuite, un enchaînement plein de boutons. Je ne saurais pas vous les décrire parce que Bayo, c'est vraiment complexe à analyser. Yasmat qui est vraiment en difficulté, vraiment au niveau d'axe, qui est en approche de pouvoir participer à cette grande finale et de peut-être prendre sa revanche. En tout cas, l'un le reverse joli. Le neutral B. Comme quoi. Yaz a fait un très très beau counter pick. Hein. Il a vraiment bien réfléchi au match-up et il a pris plusieurs fois des stocks sur un reverse. Sur un reverse, tout à fait. Hein. Ça tourne un petit peu autour de l'un de l'autre là. Ça danse un petit peu autour de l'un à l'autre là. Ah, malheureusement, on ne punit pas sur le side B, sur le shield parce que c'est vraiment le plus important chez Bayonetta. Si tu punis ce side B là, ben, tu prends une sauce incommensurable. Obligé, tu dois donner une sauce ici. Le cardjack encore une fois. Non, 86% 73. Yaz il a réussi à se prendre aucun dégât depuis qu'il a entré la stock à niveau. Là maintenant seulement il a pris quelques dégâts. Et se retrouve déjà à 104.
Ouh là là, le... Ah, le confirme, se confirme là. C'était Upkill to Backer ? Se confirme, oui, c'est le confirme, c'est un confirme de niveau d'axe. C'est un confirme. De niveau d'axe ou de Bayo ? Les deux. C'est à la niveau, ça. Lui il le place, c'est que lui qui peut le passer, c'est un truc de ouf. Upkill to Backer. Ok, le fer, de nouveau. Ça part, ça rapproche. Ça y est, ça y est. Est-ce que ça rapproche ? Si ! Et si ! Aïe 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 aïe. Bien joué, qui termine quatrième. Non, troisième, pardon. Troisième. Excuse-moi. Je peux quand même féliciter Sarah, qui était très belle. Top.